La ville de Douala s'exprime sur la suspension de André Onana. Nous sommes au marché Congo. Bonjour messieurs. Bonjour Hervé. Cette suspension de André Onana, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes d'accord? Moi je ne suis pas d'accord que Sombana et son ami et ton fils retirent Onana de l'équipe nationale. Ce n'est pas logique. Je vous dis, si ce mec jouait hier, si André Onana jouait hier, non gagné la Serbie. Je vous dis vrai. Onana, c'est un gardien du haut niveau. Même s'il a fait des petites conneries, c'est un enfant de la maison. On peut le pardonner et après le tournoi, on revient sur ce problème. C'est comme ça qu'il y a des conflits. Pas le faire partir en pleine compétition. C'est pas logique. Et son Bana ont mal fait là-bas. Et ton fils est même la nouvelle star de cette équipe. Il est présent partout. Il est l'entraîneur. Il fait tout. C'est ton fils. Et il doit assumer tout ce qu'on a fait là après la compétition. On n'en devait pas partir. On devait laisser Onana jouer la Serbie et on devait gagner la Serbie hier. Le but, les buts, ce sont les erreurs défensives et les erreurs du gardien. Cette défense est fébrile. Même à haute voix, je vais le dire. Koulou, moins d'action, il est par terre. Ça veut dire que ça ne tient plus. Moi, Gandhi n'est pas mon frère, mais Gandhi ferait mieux qu'un Koulou. Mais Sombana et son ami et ton fils mangez bien l'argent du contribuable camerounais. À la fin de cette compétition, vous allez rendre compte à nous. Ne vous dérangez pas. On ne veut pas partir, c'est l'équipe qui veut rester et même jouer. Alors après la compétition, on pouvait le reprocher. Pas maintenant là, c'est pas logique. C'est pas logique. C'est un très bon gardien. Le match contre le Brésil, vous y croyez? Oh, c'est Jean-André du marché Congo. Moi, j'ai dit à ceux qui rêvent encore, le Brésil dans le bar. Moi, j'aime le Cameroun. Le Brésil dans le bar. Je vous dis vrai. Par quelle magie doit-on battre ce Brésil-là? On n'a pas de défense. On n'a pas de gardien. Et pas s'il prend les buts comme les gardiens en troisième division camerounaise. Sombana, tu n'as pas le niveau d'être entraîneur. Il y a des très bons coachs dans ce pays-ci. Il y a les Junyonga, M. Kaham, Jean-Paul Akono, Jonke Bonaventure. Il y en a. On a des coachs au pays. Mais comme Eto'o Fils veut faire manger son ami Sombana, manger l'argent. Mais après, vous allez nous rendre compte. On a un très bon gardien. Comme au Brésil, ça sera un match très difficile. Très difficile. Mais on peut gagner. Merci. On peut gagner. Merci beaucoup. Bonne chance pour la Coupe du Monde. On ne peut pas gagner. Je supporte à présent le Sénégal, le Ghana et le Maroc. Ce sont des pays organisés. Et ton fils et son ont montré les limites à tous les niveaux. Tous les niveaux. Et ton fils et son ont montré les limites à tous les niveaux. Moi, j'aurais même voulu l'ancien régime qui était à l'Afrique Foot. Hein. Et toi, est très présent. Il est présent partout. D'accord. Il est entraîneur. Il est président. Il est joueur. Oh Seigneur Jésus-Christ. C'est pas comme ça qu'on dirige les hommes. On en a fait une erreur. C'est un enfant comme tout le monde. Pardonne-le. Mais à la fin de la compétition, tu reviens sur la faute. C'est comme ça qu'on fait. Pas le chasser en pleine compétition. Mais oh là là, les gens vont prendre l'exemple sur la France. La France nous doit en tout. Évitez de prendre les gens. On comprend votre gourou. C'est Jean-André du marché Congo est très fâché. Et tout a mal fait avec son ami Son. Mais ils vont payer les pots cassés. Ils vont nous rendre compte après. Après, Son est nul comme entraîneur. Et ce pays, il y a Jean qui est mieux. Et tout, alors, moi, c'est la star de cette équipe. Il a tout gâté. Il a tout foutu en l'air, RVK. Merci. Merci.